Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Bouts de Chou. Installe-toi confortablement devant ton écran, car aujourd'hui, nous allons apprendre le code de la route pour piétons. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors, je t'invite à t'abonner et à cocher la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Es-tu prêt? Alors c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un piéton? Un piéton est un usager à pied, sur un trottoir, sur la chaussée. De ce fait, les usagers qui poussent un vélo, les usagers handicapés, en chaise roulante, les skateboards et les trottinettes sont aussi considérés comme des piétons. Le piéton est l'usager le plus protégé sur la route. Il a, quoi qu'il arrive, toujours la priorité sur la chaussée. Ne pas céder le passage à un piéton est une faute très grave. Maintenant, place à quelques règles du code pour piéton. Pour traverser, va jusqu'au passage pour piéton. Le passage pour piéton, parfois appelé passage clouté, est une partie de la route aménagée afin de permettre aux piétons de circuler en sécurité sur la chaussée. Généralement, pour la traversée. Même un passage pour piéton, regarde bien de chaque côté de la route avant de traverser. Traverse quand le bonhomme est vert. Alors, le feu pour les voitures est rouge. À un carrefour, traverse une rue, puis une autre. Quelques conseils pour la sécurité du piéton. Le piéton ne doit pas jouer sur la chaussée. Le piéton ne doit pas marcher sur la chaussée. Le piéton doit éviter les distractions comme le téléphone ou la musique au moment où vous traversez la chaussée. Le piéton doit marcher du côté gauche de la chaussée, en l'absence de trottoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Maintenant, tu connais quelques règles du code de la route pour piétons. Si la vidéo t'a plu, alors, n'oublie pas d'aimer et surtout de partager. Merci et à la prochaine !